On est vendredi, c'est l'arrivée de Xur et j'imagine que vous êtes tout comme moi impatients de voir ce qu'il a à nous proposer cette semaine. Donc des déceptions, des réjouissances, allons voir tout de suite ce qu'il nous propose. Donc pour les titans, ce sera la forteresse crânienne. Ma foi, petite déception surtout quand on voit le symbiote acliophage pour les chasseurs juste à côté. Un très très bon casque qui nous permet d'avoir jusqu'à 4 tirs de pistolet d'or. Donc en 280, remis au goût du jour de l'année 2, donc un casque que je vous recommande absolument. Pour les arcas, ce sera le cœur de feu Praxis, donc qui vous permet tout simplement d'augmenter votre agilité et de réduire le délai de récupération de vos capas quand vous êtes en radiance. Donc un torse relativement sympathique, mais il existe de meilleurs exotiques, il faut l'avouer. Donc une petite satisfaction pour les chasseurs, deux petites déception entre guillemets pour les arcas et pour les titans. Côté armes, ce sera le ombre et lumière qui malheureusement ne trouve plus vraiment son utilité pour cette année 2. Et en ce qui concerne les engrammes, on retrouve un engramme classique et exotique de l'année 1. Donc rien de bien satisfaisant pour Xur cette semaine. Du coup, je pense que je vais me retrancher sur les 3 deniers et espérer avoir quelques loots sympathiques, notamment sur le raid d'Oryx. Donc je vais dépenser toutes mes pièces étranges dans les 3 deniers pour cette semaine. Et on retrouve également les cartouches d'armes lourdes, les épines de verre qui ne servent absolument à rien et les fameux moteurs pour les passereaux au niveau des raretés pour cette semaine. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous allez prendre à votre tour, si votre choix se porte plutôt sur les stuffs exotiques si vous ne les possédez pas encore, ou alors sur l'engramme si vous êtes nostalgique des armes de l'année 1. Bref, j'attends vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite un très bon week-end à tous, profitez bien et amusez-vous. Ciao tout le monde.